Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyons Reborn. En dessous de cette vidéo, c'est tout s'abonner. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez cliquer là-dessus, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour l'activer. Et cliquez sur j'aime quand vous serez touché par ce par cette vidéo. Mes frères et sœurs, ce que nous allons vous montrer là, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. C'est pas un montage, c'est réel. Vous verrez de vous-même. Et en même temps, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Vous allez peut-être pas croire quand on va vous raconter cette histoire. Mais quand on va vous montrer cette histoire, cette chose, vous direz sans doute. Mais que c'est-il à l'homme de gagner le monde si personnable? Mes frères et sœurs, ce que vous allez voir, ça va être choquant. Un homme qui vomit de l'argent. Un homme qui va coucher avec les femmes. Et quand il finit de coucher avec les femmes, lui, il vient à la maison et il a une calebasse. Il prend une tenue rouge qui se met sur lui et après, il vomit de l'argent. Que nous allons vous montrer cette scène et tenter d'expliquer ce processus là. Déjà pour commencer, prenons les éléments. Je pense qu'il est préférable qu'on commence par expliquer les éléments qui sont là. Et sont de comprendre ça d'abord avant d'aller là-bas. On dit qu'il va coucher avec des femmes. Et quand il finit de coucher avec les femmes, quand il arrive à la maison, il vomit de l'argent. Ah! Donc lui, il doit coucher avant les rapports sexuels d'abord avec les femmes. Avant de venir vomir de l'argent. Ça veut dire que les femmes avec qui il a les rapports sexuels, il va tout simplement prendre les chances. Ce qu'on appelle prendre les chances là. C'est ça. Après, en fait, il va prendre votre étoile. Et c'est votre étoile là qui va servir de source de richesse pour lui et il va faire vomir cela. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit de nous marier d'abord avant d'avoir les rapports sexuels. Les gens ne veulent pas écouter Dieu. Les gens ne veulent pas écouter Dieu. Les femmes disent que ah, faut nous laisser, nous on aime le sexe, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a. Mais regardez ce que cet homme l'a fait. Suivez-nous, vous allez voir de vous-même et vous-même vous allez essayer de comprendre ce qui ne va pas aujourd'hui dans la tête des gens. Ah, mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui même? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, mes frères et sœurs, pour commencer, nous avons dit, c'est que les images que nous allons vous montrer, mes frères et sœurs, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Est-ce que j'ai déjà vu quelqu'un vomir? Quand quelqu'un vomit là, est-ce que c'est bon? C'est beau à voir. Quelqu'un qui, a bu jusqu'à il est fatigué, ou et puis il vomit. Il a pu, oh, et puis il faut, ouh, ça sent pas bon du tout. C'est dégoûtant ce que nous allons te montrer. Donc, mon frère, ma soeur, nous te prévenons en même temps. Faut pas dire qu'on t'a pas dit et puis tu es tombé dessus. Ah, je vais te faire vomir ou quoi. Si tu as été de manger, mets pause. Finis ta nourriture et puis poursuis. Si tu sais que tu es très fort, il n'y a pas de souci. Regarde ce que tu vas voir. Bien, comme vous le voyez, nous sommes au studio. Et le show va maintenant commencer. Si tu n'es pas abonné, écoute, clique sur s'abonner, abonne-toi, clique sur la cloche de la TV, clique sur j'aime, c'est gratuit. Ah, mes frères et sœurs, ce que vous allez voir est troublant. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Déjà, dites-moi, mes frères et sœurs, que vous voyez l'écran? Regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? On voit une calebasse. C'est comme ça que ça s'appelle. Une calebasse. Regardez bien. Ah! Mais pourquoi un tel pot? Là, ici. Pourquoi ça? Mes frères et sœurs, quand vous voyez la présence d'un tel récipient, c'est qu'il y a un rituel qui va se faire. Regardez maintenant ce qui va se passer. Regardez ça. Regardez maintenant. Regardez bien les cas. Un homme apparaît en vêtements
en robe rouge et prend la calebasse. On ne sait même pas ce qui ne va pas avec lui. Il prend la calebasse, il s'abaisse. Et on ne sait même pas ce qui ne va pas avec lui. Que va-t-il faire selon vous? Que va-t-il faire, mes frères et sœurs? Que va-t-il faire? Regardez-le bien, regardez-le bien. Regardez-le très 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 bien. Regardez-le. Regardez-le. Regardez-le très bien. Regardez bien. Regardez-le bien. Hein? Que va-t-il faire selon vous, mes frères et sœurs? Que va-t-il faire? Waouh! Regardez très bien. Là, il soulève la tête et regardez à l'intérieur. Quoi? Il soulève la tête et regardez à l'intérieur. Regardez à l'intérieur. Regardez. On voit de l'argent à l'intérieur de ce récipient. Est-ce que ce récipient était rempli? Non. Ah! Mais d'où est venu cet argent? En fait, cette personne qui est là a vomi de l'argent qui a rempli carrément ce pot qui est là, ce pot qui est ici, cette calebasse qui est là. Ah! Regardez, vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça, mes frères et sœurs? Ah! Vous avez dit que peut-être que c'est faux, mais regardez bien. Il met sa main dans sa bouche à un moment donné, regardez. Et il tire. Il tire, il est en train de tirer, il est en train de tirer de l'argent là comme ça. Il tire, aïe 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 aïe, il est en train de tirer, il tire. Et ça sort, ouh, ça sort, ça sort. Il vomit, il vomit. Oh là là. Regardez mes frères et sœurs. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. Les gens sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Ils sont prêts à tout pour avoir de l'argent aujourd'hui. Les gens sont prêts à tout, même signer des pactes avec le diable, invoquer les démons aussi, c'est pour avoir de l'argent. Ils sont prêts même vendre leur âme au diable, toutes ces histoires bizarres que nous connaissons, mes frères et sœurs. Regardez ça. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs? Regardez. Regardez ça. Est-ce que c'est un montage? Ah! C'est réel, mes frères et sœurs. Cette robe rouge que vous voyez sur sa tête, ce n'est pas là pour rien. Ce tissu rouge, c'est juste là pour nous montrer que il y a un rituel qui a lieu. Il fait des prières mystiques. Et après ces prières mystiques qu'il fait, il peut maintenant vomir de l'argent. Et il vomit beaucoup de billets de banque. Beaucoup. La calebasse est déjà remplie. Remplie à déborder. Regardez. Regardez encore. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça pour avoir de l'argent? Est-ce que vous êtes prêt à faire tout pareil? Réussissez la partie commentaire, dites-moi, mes frères et sœurs. Regardez ça. Mais qu'est-ce que c'est? Waouh! Qu'est-ce que c'est? Mes frères et sœurs, regardez ça. Aïe, 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 aïe. Cet homme vomit de l'argent. Un homme qui vomit de l'argent sur Union Sorbonne. Waouh! Et ça ne peut s'arrêter. Hein? Ça ne veut que verser. Oh, au départ, la calebasse était vide. Vous avez vu ça? La calebasse était carrément vide. Waouh! Vous avez vu ça, mes frères et sœurs? Et il est là maintenant, tranquillement. Waouh! C'est assez hallucinant. Regardez, la calebasse était vide, carrément vide. Et il a quitté un coin là-bas, il a quitté là-bas un endroit, on ne sait pas d'où il vient. Il arrive en même temps. Et il commence à vomir. Vomir et vomir. Vomir et vomir dans la calebasse. Regardez-moi ça. Vous avez vu ça? La calebasse était carrément vide. Et il vient tranquille, en rouge. Et il va maintenant vomir. Et vomir. Un homme qui vomit de l'argent. Si nous avons raconté ça sous forme d'histoire, en tout cas, peut-être vous allez dire, oh, ce sont des histoires!
Ce sont des histoires. Mais quand vous voyez de vos propres yeux, vous comprenez que le diable est réel. Toute cette personne qui ne croit pas à l'existence du diable là, ou des démons, même à l'existence de Dieu, aujourd'hui vous allez voir qu'il y a un Dieu suprême. Oui, il y a des gens qui essaient de défier Dieu, qui osent défier Dieu. C'est le diable et ses démons. Regardez ça. Est-ce que c'est beau à voir? Est-ce que toi, maman, toi, papa, tu aimerais vraiment voir ton enfant faire tout pareil? Dis-moi, franchement, dis-moi, regarde-moi bien. Est-ce que tu aimerais vraiment voir ton enfant préféré, ton enfant chéri, ton enfant qui t'appelle mignon, tu es mignon, tu es joli, faire tout pareil? Regarde. Et ce sont des vrais billets de banque. Celui qui a dit que ce ne sont pas des billets de banque, il se trompe. Ce sont des vrais billets de banque. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire sécher le truc ou bien? Je ne sais pas. Mais lui seul, il sait comment il va s'arranger. Et il peut même utiliser cet argent-là même pour donner à quelqu'un. Pour dire, mon frère, tu es joli. Tiens. Ou bien, il va prendre cet argent-là pour se retrouver dans un maquis. Pour faire le boucan. Le boucan, la Java. Verser cet argent là sur les gens. Et il va répondre encore à la même chose. Il va encore aller coucher avec des filles, coucher avec des femmes, et prendre les chances pour venir faire tout pareil. Ce qu'on appelle prendre ton étoile là. C'est ça. Regardez. Si on ne vous a pas montré, ça vous a dit que oh, ça veut dire que la vie de débauche, que les gens sont en train d'entretenir là, les expose à toutes sortes de problèmes. Nous avons reçu une réaction de moi puissance ici, sur notre bande. Et cette moi puissance nous a révélé que il y a des sirènes qui viennent dans ce monde. Quand vous avez des rapports sexuels avec ces sirènes-là, ou encore ces femmes-là, elles vous rendent stérile à vie. Stérile à vie. Les gens disent, oh, c'est de la blague. Mais regardez ce gars. Est-ce qu'il est tenté de blaguer? Est-ce que nous sommes tentés de blaguer? Mes frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, mes frères et sœurs. Dieu est réel. Et tout ce que Dieu nous demande de faire, faisons-le tout simplement. Ça nous permet d'éviter les histoires. Ça, c'est quoi? C'est de la magie. C'est de l'occultisme. C'est du satanisme. Pour de l'argent. Il y a un bouteur qui s'est transformé en chien. Il était dans un maquis, il était de verser de l'argent, donner de l'argent. D'un moment donné, il a commencé à se transformer en chien. C'est encore une autre histoire. Et de telles histoires vont encore venir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant, cliquez sur la cloche de la TV, soyez nombreux à vous abonner pour qu'on atteigne rapidement les 100 000 abonnés. Parce que les vraies choses ont commencé ici. Ce que vous allez voir va vous étonner. Regardez ce gars, regardez d'où il vient. Nous allons vous dire au passage, évitez les pagnes rouges. Les pagnes rouges qui ont cette couleur-là, évitez-les. Ou encore les draps rouges, évitez-les même. Évitez-les. Parfois, tu arrives au marché, tu achètes un drap, tu te dis que tu allais dormir dessus. Oh, ce drap-là. La vendeuse du drap a préparé ce drap-là mystiquement. C'est une sorcière. Dès que tu as dormi sur ce drap-là, tu auras même des problèmes même avec ta femme, de ton foyer. Ce sont des choses qui arrivent. Le monde où nous sommes là, c'est un monde mauvais. Les gens sont méchants. Tu prends toi-même ton propre argent pour aller acheter un truc. Et on te donne un faux truc. Carrément. Les gens sont méchants. Les gens sont mauvais. Donc, si souvent, nous, on te prévient que ces choses existent. Et toi, tu dois partager la vidéo et prévenir d'autres personnes que ça existe réellement. Si vous n'y croyez pas, voilà. Ça se trouve là. Nous allons vous montrer les images, les vidéos. Tout est là. Franchement, c'est la chose la plus étrange que nous puissions voir jusqu'à ici. Mais regardez ça. Mais regardez de vous-même. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est joli? Les informations sont là. Les choses sont là. Et ce n'est plus caché. Waouh, beaucoup d'argent comme ça, regardez. Quelqu'un va dire, ah, il y a des femmes ici, elles aiment tellement l'argent. Ah, même s'ils me donnent ça, je vais prendre ma soeur. Si tu as pris ça, tu as consommé ça, sans prier là-dessus. Ah, ma soeur, tu es dans les problèmes. Il va même toi-même prendre ta chance aussi. Pourquoi prendre ton étoile pour aller travailler? Ces gens, ils travaillent avec l'esprit des gens. L'étoile déjà, regardez comme l'argent est en train de tomber. L'argent tombe sur le sol. Et regardez ça. Vous aurez peut-être du mal à y croire.
mais c'est ce qui nous, c'est ce qui se passe concrètement dans notre monde. Et ça, ce n'est que le début du commencement. À la fin de cette vidéo, une vidéo va apparaître où on voit un serpent qui vomit de l'argent, un féticheur qui fait des rituels et un serpent vomit de l'argent. Regardez cette vidéo, regardez savoir. Nous l'avons fait même en live, tout le monde nous a dépassé. Il y a un ex-sataniste qui a témoigné d'un témoignage puissant, c'est un scoubon, qui nous a parlé de ça, du serpent qui vomit de l'argent. Nous-mêmes, on a cru que c'était de la blague, on a dit qu'on a cru qu'il disait ça pour s'amuser. Mais nous avons fini par trouver ce serpent-là sur Nyan Scoubon 2, notre deuxième chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur notre deuxième chaîne YouTube. Abonnez-vous également sur Nyan Scoubon 3. Vous abonnez sur Nyan Scoubon 2 et sur Nyan Scoubon 3. Quand vous cliquez sur Nyan Scoubon, en dessous de cette vidéo, vous aurez accès à notre page d'accueil, vous allez voir les deux chaînes. Abonnez-vous sur les deux chaînes et regardez vous-même ce qui se passe. Regardez ça. Mes frères et sœurs, c'est à vous de réagir, de nous dire maintenant ce qui se passe concrètement dans l'esprit des jeunes, dans l'esprit de la jeunesse. Pourquoi le diable suit du temps? Pourquoi le diable veut nous suit du temps? Ce gars-là, va-t-il bien mourir? Il ne va pas bien mourir s'il n'a pas Jésus-Christ dans sa vie et qu'il continue de tel rituel. Tu n'as pas passé autant à tuer les gens, à mettre la vie des gens en danger. Et sans en tirer les conséquences. Regardez la calebasse, c'était vide. Regardez, vous avez vu. Mes frères et sœurs, c'est choquant. Voilà. Je pense qu'à ce niveau de la compétition, nous sommes au même niveau de formation. Nous avons vu les images de ensemble et on peut maintenant parler. Qu'est-ce qui vient de se passer? On vous a tout dit. C'est un rituel. Et le problème ici, c'est que avant de procéder à ce rituel, ce gars-là, il va coucher avec les femmes. Il va avoir des rapports sexuels avec les femmes. Donne-toi, ma soeur. Donne ta vie à Jésus. Et il n'y a plus de rapports sexuels de façon désordonnée. Toi, mon frère, évite même les femmes. Même il y a des femmes aussi qui font ça. Hein? Il y a des femmes. Quand vous avez des rapports sexuels avec elles, elles, leur travail, c'est de prendre aussi votre étoile. Et elles savent comment elles le font. Il y a par exemple une femme. Elle, son travail, c'est d'organiser du genre des petites fêtes à la maison. La femme, elle aime fêtes. Personne ne sait pourquoi elle aime fêtes comme ça. Toujours, elle doit inviter les gens. En fait, quand elle organise ses shows et que les gens viennent chez elle pour manger, ce qu'ils mangent là, c'est envoûté. Quand elle prépare là, elle va d'abord aux toilettes. Et aux toilettes là, elle enlève un peu de son déchet et elle met de la nourriture là pour que tout le monde puisse manger cela. Et quand vous mangez cela, ce qui se passe, c'est que ceux-mêmes qui lui ont montré le système, ceux-là même pour qui elle travaille, qui sont des satanistes, qui sont des ritualistes, eux, ils lui donnent de l'argent après. Ça veut dire que tous ceux qui vont manger la nourriture là, cette bonne nourriture, l'odeur va tellement sortir pour autant, mais ça risque de te séduire. Tous ceux qui vont manger cette nourriture là, cette cérémonie là, leur étoile sera prise. Ce qu'on appelle leur chance là, ça sera pris. Ça sera pris, ça sera tenu captive. Et eux, c'est un peu ce qui va se passer dans leur vie. Tant qu'ils n'ont pas Jésus dans leur vie, ils seront bloqués. À ce moment-là, ils vont commencer à avoir des problèmes dans leur entreprise. On ne sait pas ce qui ne va pas. Les choses, l'argent disparaît. Il y a des problèmes qui apparaissent ici. Ça va là. On ne sait même pas où l'argent là-même, ça va. Le monsieur, elle est là, il dit, ah, où mon argent va même? Je travaille, il y a beaucoup d'argent, mais je ne sais pas où ça va. Il y a quelqu'un qui a été de prendre ça spirituellement parlant. C'est une sorcière. Peut-être que toi, tu as fait ça. Avant d'aller chez quelqu'un pour manger, il faut prier sur la nourriture. Et puis, il faut éviter d'aller chez les gens pour manger. C'est ce que je vais vous dire. Quand j'allais chez quelqu'un pour manger, il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Si tu ne peux pas prier sur la nourriture, il faut éviter. Il y a des gens même. Ils sont même prêts même à aller même sur les gens. Dès qu'on dit à fête, il faut les voir. Ouh, il y a fait tous les champs. Ils arrivent là-bas, ils mangent jusqu'à même. Ils mettent aussi dans le sachet là-même. La fille, elle met aussi dans le sachet là. Elle apporte à la maison. Comme si. Ils avaient organisé une fête là pour qu'elle nourrisse toute sa famille. Occasion, il y a eu, il ne peut pas laisser, il faut la boîte de courrier, un sachet, la boîte de sachets, trois sachets, quatre sachets. Elle-même là, elle est rassasiée, hein? Mais elle dit non, je vais manger encore pour une semaine. Elle a vu se ravitailler.
Sans savoir que ces déchets de caca, c'était celui qui cherche à faire se faire plaisir au niveau de la chair, là. Il y a encore toutes sortes de problèmes. Mes frères, ça ne manque pas de regarder cette vidéo qui va apparaître ici. Vous allez voir de vous-même un serpent qui vomit de l'argent. Et c'est un homme encore qui a tapé sur ce serpent. Mais là, on aura affaire à un mystique. Vous allez voir que les mêmes éléments que vous avez retrouvés ici, comme les robes tout, rouges, tout ça, les tissus rouges, tout ça, vous aussi, vous allez constater cet élément là-bas. Et ça va vous amener à faire attention. Si vous allez dans certaines églises et vous voyez de telles choses, faites vraiment, vraiment attention. Cliquez sur j'aime si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour manquer la prochaine vidéo sur. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Vous pouvez également nous soutenir en cliquant sur le bouton de la chaîne, notre page d'accueil. Vous les voyez, il y a un bouton 2, il y a un bouton 3. Abonnez-vous sur nos autres chaînes. Prenez soin de vous.